voix. Kaka bango batoyi deux personnes batoyi obetela ka bakagang me maboko. Kaka bango wana batoyi deux personnes bazako ko applaudir Kagame. Baba non. Nous avec le Rwandais nous avons pas le problème. Effectivement nous avons pas le problème mais nous avons un problème avec leur chef, avec Kagame qui veut balkaniser. C'est Félix Antoine Tshisekedi a échoué lamentablement. Il n'a même pas le droit de revenir en 2023 pour postuler comme président de la République. Notre peuple doit dire non à M. Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont peur. Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas le bilan pour présenter auprès du peuple. Il a échoué lamentablement. Alors, il faut faire cette forcing pour que Bayako Zongi c'est en 2023. Même malgré ça, le peuple lui dira non. Discours de M. Félix Antoine Tshisekedi, Nana Bengango, il y a discours moko flou, discours moko flatteuse. M. Félix Tshisekedi trompe encore notre peuple parce qu'il y a des zones de flou, il y a du flou dans ce discours. Ce que l'on dit même état de droit, Oya Lobby. Par rapport à discours naïf. Comment régime oh bazana makile na maboko na banque mais c'est tout le monde bazana makile na maboko na ye toza ki mamba osimango alati makile na maboko na ye mama ko zelanga na silisa paluku de fao le loi za wapi davin kalala le loi za wapi. Bienvenue à vous nos fidèles internautes, téléspectateurs de Vision News Télévision et Balandino, surtout à l'émission Masolo Yamboka. Oui, je vais vous présenter dans Wabino, Kadet Moussamba, Sougachou, la patriote. Et si vous allez ma casse, vous avez vraiment branché et belé. Tout le monde est sur mon colo, moi, les lotis, vous allez toujours branché na chaîne, na biso na tina kozwa ba actualité pe ba information na lolenge e belé pe ya kokisana. Alors na émission na biso mon colo, moi, les na embeli bino papa Michel Mangala lokola actualité obligé biso toloba ta konzo tezali ko bela mikolo sali pena zomuna na tenzo to koningala mais to ko telema toujours na tina ko lobela politique parce que soki makambo zo kende malamu te mo moye pe to continuer ko fanda kimia ezalité c'est pour ça na embeli bino lelo papa Michel Mangala moko ya balobeli ya lamuka o wapi to ko développer na ye na sujet o etali discours ya chef de l'état président Félix Tshilombo Tshisekedi et si présence il y a policier ougandais stoppé rwandais qu'on a na est un beau cannabis précisément à Goma pe attaque ou essayer mais qui lobby il y a eu des morts et des blessures tout le monde découvre yango na katia émission na biso mon colo malélo mon caméraman Benny Dinganga l'homme de charismatique na sepele na sepele susu kanisinga elélo na pe si mbote na pe si ba congomani nyo sombote na bosanité digar ne pe liki nanga king akoma wapi na mona asus king te akoma wapi azali hein? Na pc pe mbote petit nanga yi vraiment na pc mbote donc nous sommes là pour que tout le monde mamboka. Oui, actualité est obligée de se lever vraiment. Mais il y a un peu de temps. Nous avons ce qui peut structurer l'organisation de tous pour Fayoulo. Et ça, il y a un peu de temps pour Fayoulo. Oui, nous sommes en plein préparatif à cette organisation. Ils ont un bit mi balé. Il y a un peu de temps pour accompagner. Le président Martin Fayoulou na ba élection il a mis balé ezali que tout maintenir leadership il y a président légitimement élu Martin Fayoulou avant pendant et après les élections donc nde toza na kobenga ba kongomani nyonso ba oyo ba croire na président Martin Fayoulou et ba oyo baza na espoir qui il incarne réellement ba besoin y a peuple congolais donc c'est lui qui va venir donner un coup de pouce pour un changement développement considération que pèse ba congolais valeur pe mboka na biso ezonga na dignité na yango.
Et nous faisons appel à tout le monde. Bien sûr, je crois que nous avons besoin au moment opportun, tant que nous lançons en haut d'une manière officielle. Mais maintenant, présentement là, tout ça en plein préparatif, nous appelons de partout dans le monde, poto partout, na Congo, parce que tout ça, nous avons besoin très bien. Et maintenant, on va lancer cette activité. Ceux qui nous amènent à Kolinga, mais nous nous serons là pour que tout lancer activité voilà. Ok. Tout le Belasiko est en bon cannabis. Précisément tout dans la province de Goma, Kuna. Au tout celui qui yoka l'objet attaque mon conseiller mais qui vraiment y a ma case où il y a eu de morts et de blessures graves. N'a évité papa Miché. Malgré présence y a policiers rwandais dans sol congolais. Malgré ba Ougandé ba y a des sous armée Ougandé, mais ba attaque ezoko basé kokoba. Qu'est-ce qui se passe au geste? Maman, nakata mutuna na weza na ba ba questionnement ebele. Hein? Eza pena ba aspect ebele. D'abord un au lobby malgré état de siège, mais il y a des tueries toujours à l'est de la République. Malgré présence il y a police armée ougandaise, na la police rwandaise sur le sol ya ba congolais na Goma. La tuerie est qu'on continue. Malgré le discours de M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo devant la nation, j'y arrive. Il y a toujours des tueries. Maman, c'est pour dire quoi? Omoni, dans tout ce que vous venez de dire là, Ezali na résumé ka moko ce qui se passe à l'est. C'est flou. La décision de M. Tshilombo, na ba Ougandé, na ba Rwandé est flou. Ezola qui sa ba vérité ya balkanisation. Ezola qui sa ba vérité ya ya haute trahison. Ezola qui sa ba vérité parce que Kagame lui-même avait dit que il y a eu d'autres accords. Que ko révéler yango le loté ba kor nini o bango ba ko révéler le loté opportunité nini oyo ezo sala que ba Rwanda pe ba Ougandé ba ya na mboka na biso na skatia sol na biso. Par contre mais c'est Félix Tshisekedi na katia discours na ye alobi ke a mettre ba moyen nyonso na armée na biso pour restaurer la paix. Bon, ba moyen wana, ce qui appelle ça qui armée na biso, ba moyen. Moi, je suis en train de me poser la question. Pourquoi il y a encore les Ougandais sur notre sol? Pourquoi encore il y a la police rwandaise sur notre sol? Madame, il y a l'anguille sur roche. Donc, discours de M. Félix Antoine Tshisekedi, ngana o bengango, il y a discours moko flou. Discours moko flatteuse. Mais c'est Félix Tshisekedi a trompe encore notre peuple parce qu'il y a des zones de flou. Il y a du flou dans ce discours. Ce qui l'a dit même état de droit Oya Lobby par rapport à discours naïe, il a rien dit sur l'état de droit sauf pour dire que il n'y aura pas un espace, si j'interprète ça un peu très mal, hein, il n'y aura pas un espace où il y a un Congo, où il y a un Congolais à cause de la thé. Mais moi je suis en train de me dire, je me suis en train encore une fois de plus se poser des questions. L'espace est nini où il y a ça la lision. Ma belle nini o azo sala ya lision. Azo loba na ma belle oyo ekozala après balkanisation parce que bako benga ngo terre ya ba congolais. Ce qui balkanisation est salemi terre na bako benga ngo pe na appellation mususu. Po bato na pe bako koma. Bato ya mboka wana. Il y a du flou. Ce n'est pour dire encore quoi? Pour dire que non. Il y a cette comment dirais-je
ce qu'il avait dit. Il y a cette campagne de dénigrement. Oyo, une minorité na opposition va au sala contre lui ou contre le régime naïe. Moi, je me suis posé la question, maman. Campagne à dénigrement contre qui? Nous analysons le fait que eux-mêmes sont en train de poser. Quand lui condamnait M. Félix et M. Kabila, et là qui ma campagne à dénigrement, c'est cette question que je me suis posée. Madame, question il y a 100 jours. Bango batali si biso likambo 100 jours ba mo ba mibimisi ba bimisi vérité na bango nde muyibi salemi ezaki 480 millions ba kangi kamere na 57 millions ki muyibi détournement et salemi bango moko batali si biso ke yayi ki muyibi salemi kuna bon soko zui par exemple 480 millions olongoli moins 57 millions oyo entre guillemets Vital Kamerhe ayibaki. Le reste à mbongo wana eke wapi. Bon, maman, c'est fait là. Toka nga munoko na biso to interpréter ngote ba kobenga yango campagne de dénigrement. Awa bino moko balakaki ba congolais Thomson Mpiodi. Mais nous apprenons que même pêche yango ya bampiodi wana esa mina noté. Non, il est déjà la matière. C'est là nanu maman, ça c'est toi qui le dis. Ça s'il vous plaît madame. Il y a plus de 11 tonnes. C'est là nanu. S'il vous plaît madame. Yoza na ba zone d'information, nga pena zana ba onde d'information nga. Oza ba source ya information, nga pena zana ba source information nga. Moi mes sources d'information dit que parce que na Namibie Bate kaka Thomson Boyete te Namibia te kaka espace ya mai bino moko boya na ba bateau de pêche na bino boya ko pêcher o bino bokozwa boke na yango mais bate kele bango espace biso to na bateau de pêche te yo yo ki ke bake ko pêcher nous avons des sources on nous a dit que non et lo moko na nous a oyete ce par exemple balobeli bino oh, Thomson est entre guillemets. Et vous appelez monsieur Thomson à Batbazuka image, point d'interrogation. Ça peut arriver, maman, tu es en politique. Mais pour Nanini, madame, s'il vous plaît. Le lot, tu es le 15e. Le 17, hein. Parce que Thomson, on va voter caca. Mais tu es en période d'affectité. Donc, on va voter caca le 25, na le 30 décembre. Donc, tu sais ça que tu veux me faire voir. Madame, Kobimisa, on a qu'à débattre. Ah, mais on a une information. Thomson est le long point d'interrogation. Bissot Kolinga, effectivement, ce sont des faits minaires. Et intéressant à côté de l'obéla yango. Mais Nathalie ils sont pas faits. Oh, ils parce qu'ils ont même pas doutes. Bato baso interpréter. Soi bato ba réfléchir. Bato ande baso sa la campagne de dénigrement. Madame, awa bake ko signé ba accord na Uganda, na Rwanda. Le lo oyo. Uganda na Rwanda bazana kacha sol na biso. Madame, dire oyo bango ba osana kacha mabele na biso eye banite. Tant avant que ba Ugandais ba kota na kacha sol na biso. Yo yo ka kite makamdenge le kaki ao. Ministre oyo ya information alobi ke non ba Rwanda bazana ba Ugandais bazana kacha sol na biso te. Mais de l'autre côté, bah on confirme que bazana katia sol na biso. Oh bah attaqué bah nini bah ADF. Siko tant bilo ko nezo monana. Bateau, bah quoi analyser té et za campagne de dénigrement. Bah signer bah accord, parlement ayébité. Parlement eza na information té. Mais tant ou bah ça ko réfléchir. Bah le bien za campagne de dénigrement. Bo la kaki bato awa na campagne bo ipsa ki bato ke no ba militaire na biso ba kozanga mituka te ba kozana na mituka ba opesa bango ba mituka ba enseignant ba kozwa ba mituka suko tangu ba militaire ba enseignant ba zana mituka te ba tout ceux qui ba lobby esa campagne de dénigrement papa Michel madame s'il vous plaît na la kisoka ba fait na la kisoka ba fait
Likambo ya ram. Ram. Vol contre les Congolais. Oyo. Na chaîne à dépenses. Baye biangote. Madame, s'il vous plaît, pardon. Mbongo wana, ekotaka na trésor public été. Yo, landa ki ozamo panzisang. Parlement et bengi ministre. Kibasa. N'est-ce pas? Kibasa vous confirme que non, Mbongo wana, et que n'a rana RTPT. Moutoua Gerango, ordonnateur et RTPT. C'est qui? C'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Donc qu'est-ce qu'on a à gérer la présidence? Mais au moins monsieur Félix Antoine Tshisekedi a sali discours à la nation sans même faire allusion na likambo ya ram. Bon tant que batba analyser likambo wana. Ba lobi esa campagne de dénigrement. Madame yango na lobi ke abanaki ko sala discours moko ya flatterie. Azu au prombre na ye po a jeter yango epa ya ba misusu yango monike o aboki likambo pa ya justice ozoyoka aboki likambo pa ya justice o justice mais tango Vital Kamerhe a bima na prison tango oyo azaki ministre ya EPSP comment ça pour dire quoi madame eza mawa trop na kati ya gestion oyo. Mais nous devons souligner une chose, madame, et je suis en train de dire à notre peuple, on ne peut pas encore une fois de plus tromper notre peuple. Et notre peuple devait prendre de la sagesse et agir. Nous avons exemple de la France. Pardon, maman, Bolimbisina Soukisa. Nous avons exemple de la France. Bolanda qui Sarkozy. Bolanda qui Hollande. Ma pèse qui va promettre, ce n'est pas français. Qui va ressaler la bango boy, va ressaler la bango, va ressaler la bango boy. Va sali mandat na bango ya 5 ans, on attend ba monique, ba promesse ba pesa ki peuple et ko quitter. Va sala ginine. Ba longwa kiti. Mais pona nini awa e pa na biso. Monsieur Tshilombo. A kena ki ko promettre ba congolais. A ju pouvoir. Sur tous les plans de la société et le mot que vous marchez à terre. Maman, bloqué, qui lui bloque? Qui lui bloque, madame? Mais non, gouvernement Gosungonde, parce que c'est lui-même le chef, il est mon président, qui est le conseil des ministres. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Mais toi, il y a quand même, toi, il n'y a pas, Michel. Aujourd'hui, ma cambo, il y a un zélaté. Gouvernement Gosungonde, parce que gouvernement, il y a un azali chef du gouvernement wana. C'est lui le chef, s'il vous plaît. Mais oui, c'est lui qui ordonne. Voilà. Mais maintenant, quelle est ta responsabilité? Ceux qui ont monique responsabilité zate. Quelle est ta responsabilité? Tu es inefficace. Tu es incapable de sanctionner. Alors, moutabon vous pouvez faire confiance. Yango ma kamna banayo luba. Tant que réalisation zate. Pe ma kamango onga luba yomo o bimisango na mpoisa. Tant que vous avez dit que le gouvernement est inefficace, ce que vous avez sollicité encore réélection en 2023, pourquoi? Pour faire quoi? Monsieur Félix Tshisekedi a démontré ses faiblesses, ses lacunes. Il n'a plus le droit de se représenter. Il n'a qu'à faire comme Hollande. Il n'a qu'à faire comme Sarkozy. Qu'est-ce qu'il va donner encore aux Congolais parce qu'il est incapable de répondre aux idératas du ya peuple congolais. Il a besoin du peuple congolais. Il a satisfaction sur tous les plans du peuple congolais. Mais il veut encore revenir. C'est là où nous disons que notre peuple doit dire non. Notre peuple va dire non. C'est pourquoi, au Monique, je fais appel à tous les Congolais derrière Fayulu. Tous. Je dis bien tous pour Fayulu. Parce que, madame, Fayulu a démontré de quoi il est capable, comment apporter Bolingo ya Congolais. Apportez Bolingo ya Congo. Madame, pardon s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman,
Est-ce que yo bien loko ba benga tapis rouge? Oye bien loko ba benga tapis rouge. Yango monen de mais c'est tulombo partout par ci par là pour na ba honneur. Donc madame Fayulu a démontré devant face à monde que alingi Congo, alingi ba congolais, aboyi ba compromission. Oyo eza en là na sens ya ko détruire ba valeur pe ba dignité ya ba congolais. Maton domingi papa. Yango yo madame omuni biso tolobi pe na ba congolais conscient. To sali appel. Bientôt goyoka mama romona mokilio ndenge goyinda parce que Fayulu alakisi aza incarnation ya ba valeur. Fayulu aza modèle un modèle pour faire développer ce pays et vous allez voir ça Kobo sanate qui président Félix avant comme les sikawana il nous promettait aussi de bonnes choses car ndenge bino bozolo babo mama tozo ko s'attendre ce qui 2023 il est pas fandi les bonga wana non a ko sala pe lolenge ya zoko sala na corriger Félix, monsieur Félix, atika ko promettre batouté. Mais s'il vous plaît, monsieur Félix, bango bakenda ko se lancer na critique. Il faut que tu comprennes. Regardez même comportement ya IDPS lelo. Comportement. Donc baza intolérant. Balingi ko yoka combien de marches au biso to sali pour na ko revendiquer makambo ya mboka na biso, ba intérêt ba congolais. Tu vois comment on t'est réprimé. Tu vois comment le régime. Bazana ma kile na maboko na banque. Mais c'est Tshilombo bazana ma kile na maboko na ye. Toza ki mamba aussi mangonga. Alati ma kile na maboko na ye mama. Ko zelanga na silisa. Paluku de fao. Le loza wapi. Davin kalala. Le loza wapi. Mama na biso oyo ya nouvel élan. Ouais, fanda côté ya côté aéroport ta kombe ko kimanga lesusu azali wapi mais bien sûr bon différence ni neza entre le régime ya Kabila na mais régime monsieur Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi nous disons tous derrière Fayulu, tous derrière Fayulu. Papa Michel, tozonga nona estambo kana biso. Na ibiki kande se Mathieu Makasi. Il faut que naombo to loba kaka quand il s'agit ya koloba. Le président Félix avait dit ceci. S'il s'agit de signer accord ndenge ba président baleka ba loba pour la cause kimia na est. Alors ça la yango. Bozobo ya présence ya policier ougandais ya rwandaise pe armée ougandais la sol congolais pour la nini. Ce qui est pour la koluka kimia na mboka wana. Ce sont nos pays voisins oui. Ce sont ceux là qui nous combattent oui. Mais ce qui est pour la koluka kimia tout négocier et que ba ya bongo mabeza wa. Mama ba rwandais ba ougandais baza ba bourreau na biso. Ba rwandais na ba ougandais ba boma ba congolais. Ba rwandais na ba ougandais ba lingi balkanisation ya mboka na biso. Ba rwandais na ba ougandais ba créer insécurité na kati ya mboka na biso. Tu n'as pas suivi pe ya sonam papa ngwanda? Landa ba émission papa ngwanda vous allez comprendre ça. Bon, kaka batuana ba lingi mabe ya ba congolais ba boma ba congolais. Ka ba ngonde ba opesa bango responsabilité pour que ba tia pe mais ba tia pe te. Eza mascarade. Eza ka ba désordre. Lelo na goma ba tia ce qui est loko moko boye. Non, pas d'abord à l'aéroport. Bah, Emata Ngomba. Hein? Bah, tiens, on a couleur à Mbokani. Bah, tiens, on a couleur, y a couleur à Mboka, y a drapeau, y a Rwanda. Le lo, Menagoma. Ba tie nini na bango immigration na bango na aéroport na biso. Donc Rwandais akoko longwa poto akiti na yena Goma. Parce que immigration na bango ezawana. Vous comprenez? Donc eza préparation moko ya balkanisation pas direct mais indirect. Oyo ekozana ba fait réel dans les années à venir. Et ozana régime ya M. Tshilombo. Donc M. Tshilombo a servir bango li.
pour que ba poser ba fondement na bango nyonso ba poser ba base na bango nyonso et dans ba régime ekoyaka du fait que ba rwandais ba ougandais ba kokota déjà ebelé na kata belé na biso bango nde siko ba koya ko senga autonomie na bango parce que ba koluba ke non. Ah, des ordres continuent toujours. Ah, mboko toujours continuer à kokufa à partir de l'eau. Tous ceux qui n'ont pas besoin d'autonomie, tous à la indépendance. Et qu'aux à la bas vrai congolais. Et aux à la bas vrai congolais. Et aux à la bas faux vrai congolais. Alors, tous ces aux à pourquoi? Tant que ça la ninoana pas déjà préparation à Nations Unies parce que mais c'est Chilombo a comme là déjà Nations Unies pour na ba présence ya ba groupe ba troupe rwandais na ougandais sur notre sol bazaki déjà informé donc na niveau ONU on avait déjà officialisé makamal nyonso alors tant ba ko senga autonomie wana ONU a ko prendre ka acte et ba reconnaître mabele wana officiellement na ba rwandais tout ba ougandais tout na mboka o bango balingi ba créer. Tu vois les dangers place Evandi? Et nous exigeons, tout en apport à toi, yeba, ba accord où M. Félix Antoine Tshisekedi a signé, naba Ougandé, naba Rwandé, toi yeba contenu na yango, naba ba accord secret où bango ba signé. Kobosa na te, accord Emira, et ça qui accord moko secret, hein? C'est cet accord où ils ont manifesté ba fait, ba fait nango tilelo. Mais pourquoi les accords? Accord, pourquoi? Mais pourquoi les accords? Et pour... puis les accords secrets. Mais il faut leur poser la question. Ils sont mieux placés pour que vous posez bango question wana. Madame, ce qui s'est en train de se préparer dans notre pays, ils ont dit autre trahison. Où est-ce que c'est passé dans Mboka na biso? Parce que le Parlement n'est pas saisi dans ma question wana. Parlement, ils ont saisi. Même que bango ba, même que toi même en temps un référendum, rien. Le peuple et congolais ne sont pas d'accord. Kaka bango na IDPS, nde bango balingi ko nimisa biso ba rwandais. Papa ngwanda lobaki angoti ke balingi ba légaliser l'occupation. Ba ndimisa biso ba rwandais. Il a dit ça. Et lelo qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Kaka bango ba toi IDPS na ba toi obetela ka bakagang me maboko. Kabango wana batwa IDPS nde bazako applaudir Kagame. Baba non. Nous avec le Rwandais nous avons pas les problèmes. Effectivement nous avons pas les problèmes mais nous avons un problème avec leur chef, avec Kagame qui veut balkaniser la République démocratique du Congo. Vous comprenez madame? Donc ce sont des choses très dangereuses et nous appelons à la vigilance de tous les Congolais de se lever et dire non et faire échec à M. Félix Antoine Tshisekedi et à tous les occupants qui veulent balkaniser notre pays. Ce sont les propos tenus par le président Louis Martin Fayulu na qui dernièrement combien le peuple congolais était à refuser présence. Vous soutenez ces paroles? Mais bien sûr. Et c'est cet appel, tu m'as suivi, c'est cet appel que nous sommes en train de faire. Le président légitimement élu, les garants de la nation. En attendant mon discours à la nation le 30 décembre prochain, et nous appelons notre peuple de suivre le discours, le 30, je demande au peuple congolais de refuser la présence de policiers rwandais à Goma. Cette présence, comme celle de l'armée ougandaise, viole la souveraineté de notre pays et tend à officialiser sa balkanisation. Madame, c'est vrai. Si vous regardez le fait tel que ça se présente à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des zones de flou.
qui cache une grande forêt, il y a balkanisation, il y a mboka na biso. Pourquoi le président Martin Fayulu s'adresse au peuple congolais seulement le 30 décembre? Mais il est le président, il doit parler à la nation, il va faire sa communication à la nation. Pourquoi ça a été avant le discours du chef de l'État? Ça a été par rapport à quoi? Parce que monsieur, le président légitimement élu, Martin Fayulu, c'est lui le président élu. Il a la légitimité du peuple congolais. Il a la légitimité du peuple congolais. Il va s'adresser à la nation. Moi, je demande, c'est le vrai président élu, maintenant qu'on s'adresse à la nation le 30 décembre. Est-ce que le peuple a eu encore l'occasion? Maman, Fayulu, c'est la majorité plurielle. Fayulu, c'est la majorité plurielle. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Et nous disons, Mouton Nyon, ça vous a en face à Fayulu. Fayulu a battu. L'élection. Madame, retenez ce que... Maman, c'est pourquoi moni, bisot, tu as exigé transparence à l'élection. Mais bobo, il peut continuer à candidat à la bune à Seigne. Mais bobo, bah, ça a nini. Mais bobo, tu as la ça parce qu'ils ne sont pas... Dès le départ, déjà, dès le départ, l'élection, oh, il a quitté déjà la limite, il y a tricherie. Et la question, ce sont des faits vrais, réels et vérifiables. Madame, naïe bisayo, natunayo. Pourquoi Bango Balingi consensus cité avant tokenebe élection? Pour nani? S'il vous plaît, quel temps? Il y a le solo Bagozo une semaine, quel temps? Pourquoi Messe Tshilombo? Il a piétiné la constitution en nommant ba juge à cour constitutionnelle. Pourquoi Monsieur Tshilombo et Mboso, les citoyens Mboso, basali passage en force. Passage en force pour nous désigner Kadima. Pourquoi? Madame, madame, pourquoi Bazoboya, tout ça là, consensus avant aucune élection? Pourquoi? Ils ont peur. Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas le bilan pour présenter auprès du peuple. Il a échoué lamentablement. Alors, il faut faire cette forcing pour que Bayako Zongi soit en 2023. Mais malgré ça, le peuple lui dira non. M. Félix Antoine Tshisekedi. Rendez-vous. Même en 2023, non. Peuple a dit non. Croyez-moi, madame. Rendez-vous en 2023. Peuple a quoi bisaye non, oui, papa Michel Mangala. Total, la kaka n'engeni. Total, la thé. Peuple n'a biso ali conscient. Madame, ça la discours baladaire. N'a l'ingé te okene na ba se anzete. Te. Koke ba se anzete te. Na ose ngokoutou se mye. Bima atana Kishasa. Kene na province. Va poser des questions. Ça la micro baladeur. Parce que Kishasa Bobano, oh Fayulu. Fayulu est majorité partout. Madame, nako tinde la yo même ba audio, batuya Est, Kisangani, batuya Ituri, batuya Kisangani, batuya Nord Kivu, Sud Kivu, batuya ya Katanga, batuya Nini, ya Équateur, ba Congo, n'en parlons pas. Ba Ndunda écoute, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. Maton de mingi papa Michel to comme une soirée à émission na biso message clé na mayenyo soto sololi mokolo malilo et pas ya bande de connaissance to batu libaku ya kolanda biso message clé otoko pesa na peuple congolais. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi a échoué lamentablement. Il a même pas le droit de revenir en 2023 pour postuler comme président de la République. Notre peuple doit dire non à M. Félix Antoine Tshisekedi et nous demandons à M. Félix Antoine Tshisekedi de faire comme, comme Hollande, de faire comme Sarkozy. Du fait que Bazaki est incapable de résoudre le problème des Congolais, il est Azali incapable de résoudre le problème des Congolais, il ne revient pas, il devait rendre le tablier. Et d'ailleurs, à tika ko longa ba élection wanate, il est là par la force. Alors, et nous demandons à notre peuple de s'élever comme un seul homme pour dire non à M. Félix Antoine Tshisekedi, non à Balkanisateur,
non, il y a une partie de la communauté internationale qui veut maintenir M. Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir et dire oui na développement yambo kanabiso na souveraineté ya peuple congolais, dire oui na comment dirais-je na élévation ya peuple congolais na ba valeur na biso peuple congolais pe na dignité na biso peuple congolais. Voilà maman. Merci beaucoup le lengo disposé qui ngonga na yo na pesi bino pe sous matoni parce que vous allez qui ebele kolanda émission no bolinga mingi masolo ya mboka bo comprendre que to komi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo soki za mbala liboso ko bosa na ko s'abonner ko liker pe ko partager ba vidéo na biso te là derrière les caméras c'était Benny Dinganga caméraman ya luxe na musala kitoko pe lengi la réalisation tout mondi bongo trésor king bukele kolo kongo. Alors je vous dis encore un grand merci, abonnez-vous massivement. Je finis pas comme ça sans remercier mon sponsor crédible merci de Bazola et na ba soutien na yo pe li sous mon pire vieille elle chante moi cas preza ou bide kimbante ki ba meilleur ve na yo mon pire vieille docteur bienvenue mbala hein. Merci beaucoup, Boutique à la Malam. Tokutani Mbala Sima.